Tu es là, oui, toi, et toi, aussi, tu es là. Et j'ai pour toi un message que tu n'entendras nulle part ailleurs. La grâce et la paix nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Quelqu'un a dit, le christianisme a apporté une chose au monde, c'est le mystère qui soutient l'univers, cette chose unique, sans laquelle tout sombrerait dans le néant. Cette chose que le christianisme a apporté, c'est la joie. Le christianisme est une religion de la joie. Lorsque je dis joie, je ne dis pas plaisir, je ne dis pas sourire. Je parle de la joie, cette plénitude de l'être qui vient de Dieu. Jésus a dit que la joie qui est en moi soit aussi en vous, et que votre joie soit parfaite. Vous vous êtes levé ce matin, vous êtes sorti de chez vous, vous avez affronté le froid parce que vous veniez chercher cette joie, parce que vous saviez qu'ici, dans le culte, dans la rencontre avec Dieu, vous pouviez recevoir cette joie. Laissons-la maintenant entrer en nous en la chantant. Dieu ma joie, Dieu mon bonheur.
Et nous voudrons prier à présent avec les paroles du psaume 108. Votre participation, ce sera de dire ce qui est en lettres majuscules soulignées et de répondre aux autres paroles que je dirai. Célébrez le Seigneur, proclamez son nom. Chantez pour lui, jouez pour lui. Soyez fiers de son saint nom. Cherchez le Seigneur et sa force. Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. C'est lui, le Seigneur notre Dieu. Il s'est toujours rappelé son alliance. Je fonderai sa dynastie pour toujours. Et nous nous levons pour chanter. Thank you.
Seigneur Dieu, ta puissance et ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous ce matin de reconnaître les signes qu'il a accomplis parmi nous, qu'il transforme nos manques en plénitude et nos plaintes en chants de louange. Mon frère, ma sœur, mets-toi debout maintenant et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. Sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue désormais. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus, car le Seigneur sera pour toi la lumière de toujours et les jours de ton deuil seront révolus. Mets-toi debout pour chanter.
Au moment d'ouvrir la Bible, souvenons-nous que Dieu lui-même essaye de nous parler par elle. Seigneur notre Dieu, nous voulons essayer dans ces mots humains que nous allons entendre maintenant, faits d'ambiguïté, d'imperfection, de maladresse, une parole pour nous, ta parole. Une parole qui ne condamne pas mais libère, une loi qui n'interdit pas mais encourage. Nous nous mettons maintenant à ton écoute. Amen. Nous lirons tout d'abord dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 12 à 16. Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants, engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se déboîte pas, mais qu'il guérisse plutôt. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de vivre pour Dieu, car sans cela, aucun de vous ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Qu'aucun de vous ne vive dans la débauche, que personne ne méprise ce qui vient de Dieu, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, vendit son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il voulut recevoir la bénédiction de son père, mais il fut repoussé. Il ne trouva aucun moyen de changer la situation, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Puis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Ils appellent le marié et lui disent : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Thank you.
La question que j'aimerais nous poser ce matin, chers frères et sœurs, est affichée. Dieu est-il sympathique? Est-ce que Dieu est sympa? Alors, si je reprends le premier texte que nous a lu Catherine, je ne sais pas s'il vous donne l'impression d'un personnage sympa, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qu'aucun de vous ne vive dans la débauche. Je ne sais pas si ce type de prévention vous renvoie à l'image d'un Dieu sympa. Et encore, les personnes qui ont organisé le découpage des textes vous ont épargné les quelques lignes qui précèdent. Vous devinerez peut-être pourquoi. Je vais vous les lire. On est toujours en hébreu au chapitre 12. « Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous avertit. Il vous traite en effet comme ses enfants. Existe-t-il un enfant que son père ne corrige pas ? Si vous n'êtes pas averti, comme le sont tous ses enfants, alors vous n'êtes pas de vrais enfants, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres, ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous recevons des avertissements, il nous semble sur le moment que c'est là une cause de tristesse et non pas de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie conforme à la volonté de Dieu. En résumé, si vos parents vous corrigent, c'est pour votre bien, et si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, vous le comprendrez plus tard. Alors je ne sais pas si ce Dieu vous renvoie à une image sympathique. Si je lisais ce texte à un enfant en lui disant de désigner Dieu tel qu'il lui paraît, ce Dieu ressemblerait plus à un père fouettard qu'à un bon grand-père à la barbe blanche. Alors je pourrais m'en sortir simplement en me disant que c'est de la vieille théologie d'autrefois, qu'il faut simplement passer ce texte sous silence et puis aller chercher quelque chose d'un peu plus doux, comme le récit des noces de Cana, ce Dieu qui a pris visage d'homme en Jésus-Christ, qui multiplie le vin, qui fait que tous les membres de la fête ou tous les invités à la fête se retrouvent bien ivres, et encore plus que cela, puisque Jésus en rajoute une couche et même plusieurs. Voici un Dieu plus avenant que celui qui corrige ses enfants. Encore que quand Jésus s'adresse à sa mère, il ne montre pas une attitude très sympathique à son égard non plus. Je vous redis ce qu'il lui dit lorsque Marie vient dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Comme le vin vint à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous en commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors nous pouvons être embêtés parfois ou souvent par ce type de texte. Nous pouvons ne plus les assumer aujourd'hui. Nous pouvons être tentés de, comme je le disais, de les passer sous silence ou simplement de les supprimer comme périmés. Seulement je crois qu'il y a un risque à faire cela. Parce que si je commence à supprimer les versets, les passages bibliques qui ne conviennent pas, de quelle autorité déjà ferais-je cela moi-même? Parce que je penserais savoir mieux que les auteurs bibliques ce qui est juste? Parce que je penserais que je suis membre d'une civilisation supérieure à celle du premier siècle? Parce que je penserais que moi, vivant en 2024, j'ai atteint le sommet de l'évolution humaine, que l'homme a réussi enfin à se hisser à la hauteur de Dieu, plus haut que Dieu lui-même peut-être. Hier, j'étais au DEFAP, notre service protestant de mission, qui envoie un certain nombre de personnes
dans divers pays à travers le monde, qui parfois nous les ramènent aussi comme Brigitte, et nous sommes bien contents qu'ils nous les rendent aussi. Bien hier, c'était le conseil du DFAP et nous discutions d'une église africaine qui refuse aux femmes d'être pasteurs. Et le débat était vif, il y avait parmi nous notamment une pasteur française, mais d'origine de cette église, qui s'emportait. Tout le monde était bien sûr unanime pour dire son désaccord avec ce choix de refuser aujourd'hui à des femmes d'être pasteurs. Ici en Alsace ou en France, plus personne dans les églises protestantes en tout cas ne discute cette question. Mais le débat portait sur notre attitude à avoir avec cette église. Que fallait-il faire? Comment nous comporter vis-à-vis d'elle alors que nous considérions que ce refus de l'égalité entre hommes et femmes nous était aujourd'hui insupportable? Est-ce qu'il fallait couper nos relations avec elle, couper nos soutiens financiers ou alors faire pression financièrement sur cette église afin qu'elle évolue? Ou se dire que ce n'était pas à nous de décider à la place de cette église de ce qui était bien ou mal, qu'il fallait d'abord conserver le contact et le dialogue avec elle pour espérer qu'elle finisse par évoluer? La même question pourrait se poser dans toutes nos relations avec les religions. La semaine prochaine, nous vivrons une célébration œcuménique avec nos frères et sœurs catholiques et je m'en réjouis. Mais nous savons que nous avons un désaccord avec cette Église quant à la possibilité pour les femmes d'y exercer un ministère ordonné. Devrions-nous de ce fait refuser tout dialogue, tout contact, toute collaboration fraternelle avec cette Église? Je prends l'exemple ici de la place des femmes, mais la question pourrait se poser pour d'autres thèmes. Elle se pose en politique également. Comment pouvons-nous avoir des relations avec des gouvernements qui ne partagent pas nos valeurs, qui discriminent les femmes, qui criminalisent les personnes homosexuelles, qui pratiquent la peine de mort? Je n'ai pas la bonne réponse à cette question, et probablement n'y en a-t-il pas. Mais en même temps, je sais aussi que nos églises ne sont pas forcément des modèles en matière d'action sociale, d'accueil des étrangers. Pour un certain nombre de personnes, nos églises sont-elles aussi déconnectées du monde présent, des jeunes? Nous chantons avec grande joie de la musique largement périmée. De la même façon, il y a 10 ans encore, nous ne bénissions pas les personnes de même sexe. Alors c'est facile aujourd'hui de se prévaloir de notre modernité. Et certainement, nous continuons à exclure des personnes de nos cercles sans même nous en rendre compte en toute bonne conscience aujourd'hui. Et sur les questions de discrimination, de droits humains, sommes-nous tous unanimes entre nous? Je n'ai pas de bonne réponse à apporter à ce que doivent faire les autres églises ou les autres religions ou la société. Mais j'ai une question à nous poser, que pouvons-nous faire, nous, aujourd'hui, pour accueillir mieux ceux que nous ne voyons pas? Nous sommes certainement des gens très bien entre nous, mais souvent satisfaits de nous-mêmes, et nous ne voyons pas ceux qui ne sont pas parmi nous. Dimanche dernier, quelqu'un était ici à la fin du culte, il se reconnaîtra peut-être, il venait ici pour la première fois, et il m'a dit une parole que j'ai portée avec moi cette semaine, pour la première fois qu'il venait ici. « En fait, vous êtes plus sympathique que je ne le pensais. » Et jeudi, j'étais au collège, avec une classe à qui je parlais de protestantisme, et un des élèves a dit « Les protestants, ce sont des gens discrets. » Oui, nous sommes discrets, nous cachons le fait que nous sommes peut-être sympathiques, nous avons du mal à nous ouvrir, parce que nous sommes bien entre nous, entre parfaits. Mais notre perfection ne cache-t-elle pas notre refus de nous mélanger à des moins parfaits que nous? Qui rejetons-nous sans même nous en rendre compte? Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la réponse, mais je crois que ce qui compte,
c'est que nous nous posions déjà la question, que nous ne pensions pas être arrivés au sommet de notre évolution. Je ne sais pas si l'Évangile est politique, mais je crois que l'Évangile nous dit d'abord que, quel que soit notre positionnement, nous ne sommes jamais arrivés au but. L'Évangile ne nous dit pas tant qui est Dieu, qu'il nous apprend à ne pas enfermer Dieu dans une définition qui ne serait qu'un point de vue humain. Ainsi, si je reviens à notre texte, si je commence à découper dans la Bible ce qui me déplaît, ce qui a vieilli, ce qui ne correspond pas à mes idées, j'emprunterai un terrain risqué. La Bible va se réduire comme une peau de chagrin, et puis chacun de nous finira par avoir sa propre Bible, qui ne sera plus le support d'une parole autre, mais juste le miroir de chacun de nous-mêmes. Cela a déjà été tenté, avant même que le Nouveau Testament ne soit composé et que son canon ne soit clos. Un théologien nommé Marcion, vers l'an 140-150 de notre ère, a voulu développer un courant dans le christianisme naissant où il distinguait le Dieu de l'Ancien Testament, dur et colérique, et celui du Nouveau Testament, doux et miséricordieux. C'était un dualisme de Dieu, l'un qui était bon, l'autre qui était mauvais. Son intention était probablement bonne, mais nous savons que l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai des opinions, certes, mais je n'ai pas la prétention ni l'autorité pour prétendre faire de mes opinions une parole ou la parole de Dieu. C'est la première raison pour laquelle je conserverai ce texte, et c'est aussi la raison pour laquelle j'aurais pu en changer, j'aurais pu prêcher sur les noces de Cana, mais je crois qu'il nous faut regarder ces textes tels qu'ils sont. Ils nous sont donnés, ils nous provoquent, ils nous interrogent. Il me rappelle déjà ce texte que la Bible n'est pas le reflet de mes opinions ou de l'air du temps, mais est d'abord une parole venue de plus loin que moi, qui vient m'interroger et me conserver en mouvement. Deuxièmement, je conserverai ce texte parce que la Bible n'est pas un code de loi ou de comportement. Je n'ai pas à vouloir rendre la Bible plus sympathique qu'elle ne l'est. Son objet n'est pas là. Lorsque l'auteur de l'Épître dit que Dieu corrige les malcroyants comme un père corrige son enfant, à aucun moment il me vient l'idée d'aller transposer cela dans ma vie quotidienne et de me dire, parce que j'ai lu cela dans la Bible, « Ah ben c'est bien de corriger son enfant » ou « Dieu a dit dans la Bible qu'un père devait corriger son enfant ». Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte fait un constat situé effectivement dans une époque. Il ne dit pas qu'il faille faire ainsi. Celui qui dirait cela se serait trompé de siècle et ne ferait que manipuler la Bible à son propre bénéfice. Pour le dire plus clairement encore, je peux tout à fait considérer que je suis en désaccord aujourd'hui avec le fait de corriger un enfant sans entrer en contradiction avec ce texte. Parce que si ce texte évoque une pratique courante à son époque, il ne le fait pas dans l'intention de nous donner une leçon de pédagogie parentale, il le fait pour nous parler d'autre chose, pour illustrer autre chose. Et il en va ainsi de tous les autres textes de la Bible. Si vous ne me croyez pas, je vous rappelle qu'il y a des textes qui nous appellent à donner tous nos biens aux pauvres, et si vous voulez vraiment prendre la Bible de manière littérale, je ne vous retiens pas. Enfin, aux pauvres, vous pouvez le faire aussi à nos paroisses. Paradoxalement, ces textes qui peuvent nous sembler difficiles nous prémunissent d'abord contre une lecture littérale de la Bible. Oui, parce que si je lisais la Bible littéralement, je me hâterais de vouloir en arracher bon nombre de pages, mais je n'oublie jamais qu'elle s'insère toujours dans un contexte et que la parole de Dieu qu'elle contient est portée par une parole humaine. Ce n'est jamais la parole pure, directe de Dieu qui s'adresse à nous.
Si j'extrayais tous les textes déplaisants de la Bible, conservant juste ceux qui parlent d'amour ou de don, ceux qui appellent à aimer ses ennemis, à se laisser frapper sur l'autre joue, la Bible deviendrait un joli manuel tout rose bonbon, mais que se passerait-il ensuite? Beaucoup s'en saisiraient aussitôt pour en faire un livre encore plus jugeant qu'elle ne peut paraître. Comment cela? Tu n'as pas fait don de tous tes biens? Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Le bien, c'est de donner. Comment tu n'as pas pardonné à ton ennemi? Mais pourtant, la Bible te dit de pardonner. Le bien, c'est de pardonner. Comment tu n'as pas laissé ton agresseur te frapper sur la joue droite? La Bible te dit que c'est bien de ne pas réagir. Et comme dit, même si je ne faisais de la Bible qu'un livre doucereux et gentillé, elle n'en resterait pas moins, ou peut-être deviendrait-elle encore plus un livre enfermant. Le philosophe Tsvetan Todorov, ainsi que le psychanalyste Boris Cyrulnik, ont écrit un petit livre qui s'intitule « La tentation du bien est beaucoup plus dangereuse que celle du mal ». Ils expliquent en quelques mots que la tyrannie du bien peut se muer en totalitarisme, plus dangereux encore que la tyrannie du mal, parce que le mal a pour lui qu'il est assez facile à identifier, on peut s'y opposer, même si cela nous mettra en danger, et habituellement celui qui commet le mal sait qu'il commet le mal. Et c'est ainsi alors que le tyran qui pense agir au nom du bien sera plus difficile à démasquer. C'est en se faisant passer pour une gentille grand-mère que le loup put déjeuner d'une délicieuse petite fillette vêtue d'un joli chaperon rouge. Ce texte me rappelle que Dieu ne joue ni à la gentille grand-mère, ni au grand méchant loup. J'ai dit que ce texte nous parlait d'autre chose que de pédagogie parentale. De quoi nous parle-t-il alors? Il est dit, Dieu nous corrige pour notre bien afin que nous ayons part à sa sainteté. Arrêtons-nous d'abord sur ce mot qui fait saigner nos oreilles contemporaines, évoluant dans un monde aspirant à la douceur universelle. Que faire de cette parole « Dieu nous corrige » ? Cela nous fait réagir, voire surréagir. Mais franchement, il ne m'est jamais venu à l'idée que Dieu aille entrer un jour dans ma chambre le soir pour m'asséner des coups de bâton pour me corriger. Bien entendu que non. Le terme « corriger » n'est pas à entendre au sens propre. S'il nous agresse, c'est parce que nous sommes devenus des dévots de la liberté individuelle et il nous faut donc un Dieu de circonstance, parce que chaque époque a besoin de se construire un Dieu à son image. Dieu a été marxiste en Amérique du Sud dans les années 80, il fut hippie dans les années 60, dans les années 70, il était un fumeur de Havane. En 1914, il fut à la fois allemand sous la rive est du Rhin et français sur sa rive ouest. Aujourd'hui, Dieu est naturellement bienveillant, il est féministe, il est écologiste. Pas partout, bien sûr, puisque cela dépend des pays où on le prie. Alors nous, ici, dans notre monde adepte de la liberté individuelle, nous ne voulons plus d'un Dieu qui nous corrigerait comme si nous étions fautifs. Mais l'enjeu ici, ce n'est pas en fait de parler de Dieu, nous parlons de nous-mêmes. Est-ce à moi de me construire un Dieu à mon image, qui réponde à mes besoins, qui s'adapte à mes convictions personnelles? Ne sommes-nous pas un peu trop hypersensibles aux mots, à chercher le mal partout? J'aimerais vous proposer une comparaison pour peut-être entendre autrement cette notion de correction. Dieu nous corrige. Ma voiture est équipé d'un dispositif de maintien automatique dans la voie,
Vous savez, ce système qui fait que dès que je déborde un peu sur les bandes blanches de la route, et cela m'arrive souvent, mon volant résiste ou contrebraque, et j'ai même droit à une petite punition sonore. Ainsi, lorsque je suis en train de m'endormir en roulant, ou si je suis perdu dans mes pensées, ou si j'envoie un SMS, mais j'espère que je ne suis pas enregistré parce que je risque d'avoir des soucis avec la police, le correcteur de trajectoire va corriger ma direction pour empêcher que je n'entre en collision avec la voiture en face. Ma direction est corrigée et c'est une correction que je peux tout à fait accepter et pour laquelle je suis reconnaissant. On voit souvent la manière dont j'entends le mot correction, il peut être plus ou moins acceptable. Alors certains diront, oui, mais tout de même, de quel droit Dieu se mêle-t-il de ma conduite, de ma vie ? Je suis tout à fait en capacité à me débrouiller. Tout à fait. Il n'est pas dit que Dieu va prendre le volant de ma vie de force. Ma fonction de maintien dans la voie, je peux tout à fait la désactiver si je le souhaite. Mais si je choisis de la laisser activer, même si elle va souvent m'alerter par des sons intempestifs, je le fais parce que je n'ai pas une confiance suffisamment absolue en moi pour penser que je roule parfaitement. J'accepte donc de me laisser corriger et même j'apprécie de me laisser corriger si cela peut me protéger. Ainsi, dans ma vie personnelle, je préfère que ce soit Dieu qui co-conduise ma vie, plutôt d'ailleurs que qui que ce soit d'autre. Quand je dis que Dieu co-conduit ma vie, cela ne signifie pas qu'il m'impose des décisions à ma place. Ce n'est pas ainsi que la Bible le présente. Alors comment Dieu agit-il en moi? Comment influe-t-il sur mon destin? Comment co-conduit-il ma vie? Tout simplement par sa fréquentation. En fréquentant la Bible, en fréquentant le monde, en fréquentant le culte, je me laisse influencer par la parole de Dieu. Et je me mets à ressembler peut-être un peu à ce visage du Christ, sans me fondre en lui, évidemment. Je me mets à ressembler à quelqu'un qui n'est pas un modèle humain, un grand penseur, un grand gourou, mais je me laisse transformer par un Dieu qui, je crois, veut mon bien. C'est ainsi que je comprends le second mot de notre phrase, « Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. » La sainteté. Souvent, on comprend, et je reviens juste sur le texte précédent, parce que la phrase que je commente y était, ah voilà, Dieu nous, non, c'était là, j'étais. Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Comment comprenons-nous ce mot sainteté? Souvent on comprend sainteté par perfection, être saint ce serait être sans faute, être pur. Vous savez que ce sont des notions dangereuses que la pureté, parce que si on se met à rechercher la pureté, on se rendra bien vite compte qu'on ne l'est jamais assez. Mais la sainteté peut être entendue autrement. Est saint d'abord ce qui est séparé, ce qui est coupé de la réalité habituelle. Est saint ce qui ne peut pas être défini. La meilleure compréhension du mot sainteté serait peut-être de la traduire par le mot autre. Est saint celui qui se sait autre. Celui qui ne cherche pas à ressembler à un modèle. La communion des saints dans laquelle nous ne croyons pas qu'il y ait des saints particuliers qui seraient des parfaits, mais nous croyons que la communauté des croyants est une communauté de saints. Cette communauté des saints, ce n'est pas une communion de parfaits, c'est une communion de personnes différentes
qui ont certaines choses en commun, d'autres qui les différencient, qui sont à la fois pétries de qualités et de défauts, et dont personne ne peut distinguer ni juger ce qui est en elles est qualité ou défaut. Ce qui fait de nous des saints, c'est simplement le fait de reconnaître que Dieu agit en nous et par nous. Est saint celui qui pense la conduite de sa vie comme une conduite corrigée par la présence de Dieu? Est saint celui qui ne se préoccupe pas de faire son salut par lui-même, car il se sait aimé par Dieu et cela lui suffit? Sont saints celles et ceux qui se reconnaissent enfants d'un même Père et par ce fait frères et sœurs? Avec tout cela, je ne sais pas si je vous ai rendu Dieu très sympathique, mais je disais, là n'est pas la question. Si vous cherchez en Dieu un ami imaginaire ou qui se contenterait de vous assurer un confort spirituel, si vous cherchez un Dieu qui dise oui à toutes vos idées, qui vous conforterait dans tout ce que vous pensez, je pense qu'il ne faut pas le chercher dans la Bible, un Dieu sympathique. Ce n'est pas cela que vous y trouverez. Et encore, comment pourrions-nous demander ce qu'on entend par le terme sympathique? Une dernière petite histoire. La semaine passée, encore, j'ai rencontré un homme très sympathique. J'étais à Rixheim, j'étais garé dans une rue, dans ma voiture, et une autre voiture s'est arrêtée à ma hauteur. Un homme très souriant a baissé la fenêtre et il m'a interpellé, l'air de me reconnaître. « Salut, mais qu'est-ce que tu deviens ?» m'a-t-il dit. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas osé lui dire que je ne le reconnaissais pas. Lui avait l'air de très bien me connaître. Alors j'espérais qu'il allait me donner un indice pour arriver à le situer quelque part dans mon passé. Il a continué, mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. « Attends, je me gare. » J'ai essayé de lui dire que j'étais pressé, rien à faire. Il était déjà garé devant moi, il sortait de sa voiture. Il est venu à ma hauteur, et puis il avait une boîte en main, il l'a posée. J'avais ma fenêtre ouverte, il a posé cette boîte sur le tableau de bord. C'était une boîte avec des grands couteaux de cuisine. Et il m'a dit « C'est un cadeau !» J'ai décliné, je lui ai dit « Non, non, mais c'est bon. » Il insistait « Allez, je te le donne, l'air de dire que nous étions de vieux amis depuis longtemps. » Il était très souriant, très sympathique. Alors j'ai continué de refuser. Puis il a dit « Allez, tu n'as pas une pièce à me donner. Ça vaut 200 euros, tu me donnes 10 ou 20, ce sera très bien. » Je lui ai dit que je n'avais rien sur moi. Il a repris sa boîte, l'air renfrogné, il est reparti. Cet homme était éminemment sympathique au début, et puis à la fin, cette sympathie s'était envolée. Combien de personnes sympathiques n'avons-nous pas croisées ainsi dans notre vie, à l'abord sympathique? Mais en fait, que signifie le mot sympathique? Sympathein, c'est celui qui souffre avec. Si je me souviens de cela, cela me dit que l'évangile de Jésus-Christ est bien l'évangile d'un Dieu sympathique. Pas parce que ce Dieu serait souriant ou avenant, pas parce que ce Dieu serait bienveillant, pas parce que ce Dieu conforterait mes opinions, pas parce que ce Dieu chercherait à me plaire ou à me séduire. Dieu est sympathique parce qu'il a choisi de partager nos chemins, nos peines et nos joies. Il n'a rien à nous vendre, il n'y a pas d'entourloupe avec Dieu. Dieu est celui qui fait grâce à chacun, sans contrainte, sans jugement. Et c'est pour cela que, oui, je le trouve fort sympathique. Amen.
Alors lundi soir, il faut vous couper en trois. Une partie peut aller à l'étude biblique à Saint-Marc, c'est l'étude biblique Saint-Marc-Ilzac. Une autre partie avec Joachim pour l'atelier d'expression clownesque. Et la troisième partie peut venir chanter avec Brigitte. Nous préparons la célébration œcuménique de dimanche prochain qui aura lieu ici à Saint-Martin. Mardi soir, il y aura conseil paroissial à Saint-Jean. Jeudi à 15h, culte à l'EHPAD Dolphus à Dornac. Samedi matin à 10h, Godly Play à Ilzac. Samedi prochain, c'est la journée œcuménique. Elle se passera cette année entre l'église Sainte-Marie au centre-ville et la maison Löwenfels qui est juste en face. Alors on peut faire tout ou partie hein, du programme. Il y a un temps de prière d'ouverture à 15h30, une table ronde à 16h autour du thème de la prière. Voilà. Marianne y participe pour la partie protestante. À 18h, un temps de partage biblique. Après, on a un peu le temps d'aller manger ou alors de répéter les chants pour la veillée de Thésée. Si vous êtes musicien, vous ramenez votre instrument, sauf si c'est un piano, évidemment. Et puis à 20h, veillée de Thésée à l'église Sainte-Marie. J'ai déjà dit un mot, la chorale éphémère a repris du service. On prépare donc lundi la répétition de la célébration œcuménique. Et puis, elle va participer, cette chorale éphémère, également au concert hommage à Jean-Louis Decker qui aura lieu le 2 mars à Saint-Étienne. Et il y aura trois répétitions, les 2 et 16 février, ainsi que le 1er mars, à chaque fois ici à Saint-Martin. Deux concerts le week-end prochain, vendredi et samedi, au Temple Saint-Étienne. C'est l'OSM qui propose un concert intitulé « Vent d'Est » avec des œuvres de Rossini, Stravinsky et Moussorgsky. Dimanche prochain, célébration œcuménique, répétition des chants dès 9h45. Brigitte nous chauffera nos voix, suivie d'un apéritif. Samedi 17 janvier, ce n'est pas le 17, ça doit être le 27. Samedi le 27 janvier, il y aura également une célébration œcuménique à Masvaux à 17h. Voilà, nous recueillerons à présent l'offrande. Oui. Ah oui, cet après-midi, tu as raison, parce que la diapo a disparu. C'est, je vais le trouver pendant qu'on recueille l'offrande, si tu veux. J'ai une diapo, je la cherche. Ou tu le sais ? Oui. Bien. On peut... Donc cet après-midi à 16h au Temple Saint-Étienne, un concert intitulé Concert de la Nouvelle Année. L'entrée est payante. L'artiste, c'est Dominika Sletzinger, qui nous vient de Suisse. C'est un récital de piano. La billetterie, 10€ tarif plein et 5€ tarif réduit gratuité pour les moins de 12 ans. Voilà, donc vous êtes les bienvenus à 16h cet après-midi au Temple Saint-Étienne. Et une petite information aussi en plus, on va faire une pause à Saint-Étienne pendant un mois, hein, à partir du lundi 22 janvier jusqu'au mardi 20 février. Voilà, c'est un petit peu la période creuse, ça va nous permettre de repenser aussi la programmation pour cette année 2024 et de nous préparer à vivre cette année nouvelle que je vous souhaite aussi belle et joyeuse. Du même coup, ça me donne aussi la possibilité de vous souhaiter une belle année. Merci.
puisqu'on a un peu de temps, je peux donner la dernière information. Étant donné que le concert est à 16h, l'ouverture du temple au public est à 15h30. Il y aura une billetterie sur place. Et nous voulons prier. Dans l'Épître aux Romains, il est dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Seigneur notre Dieu, malgré les obstacles et les obscurités de nos routes, tu nous appelles à puiser en toi notre joie. Que la joie de ta bonne nouvelle vienne fortifier nos cœurs et nos actions. À travers ta parole, tu nous donnes de faire la rencontre de ton Fils Jésus. Il vient à nous comme l'un de nous pour nous conduire à toi. Donne-nous ton esprit de lumière qu'il éclaire notre esprit et notre regard, afin de voir combien ta joie se répand largement pour ceux qui se rendent disponibles à ta présence. Qu'il nous libère de tout ce qui peut faire obstacle à la joie, qu'il nous donne d'être attentifs à préserver tout ce qui, en nous, est source de joie profonde. Seigneur, fais aussi de nous des témoins de la joie, non pas une joie exubérante ou superficielle, mais une joie profonde, celle qui vient de ta présence à nos côtés. Ainsi, nous pourrons faire connaître au monde ce don merveilleux de la joie intérieure que tu nous fais et avancer ensemble dans l'espérance. Et c'est en un cœur uni avec les chrétiens de partout dans le monde que nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci encore à Denis de nous avoir accompagnés. Merci à Raymond d'avoir patienté. J'ai un peu dépassé l'horaire qu'il m'avait demandé, mais bon, ça, il en a une longue habitude. Et nous allons terminer en chantant. Thank you.
Même si Dieu reste caché à bien des égards, nous avons célébré sa présence. Il est la source de notre vie, d'où nous venons et par lui nous allons. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous fasse grâce.